Donc bonsoir. Tout d'abord, je voudrais remercier donc Uplex Trends for Africa pour l'invitation qui m'a été faite pour être avec vous ce soir. Je suis très content d'être à Créteil, tout simplement parce que c'est une ville que j'ai jumelée avec ma ville natale, Cotonou. Donc à chaque fois que je suis à Créteil, je me sens un peu chez moi. Et que c'est une ville dans laquelle beaucoup de Béninois et de Béninoises sont passés, notamment dans cette université. Et du coup, je trouve ça toujours très intéressant de revenir. Ce n'est pas la première fois que j'interviens à l'université de Créteil. J'ai déjà intervenu notamment, je crois, il y a 2-3 ans pour une association d'étudiants guinéens. Et donc, je suis né à Cotonou, j'ai 36, bientôt 37 ans, je suis né en 81. J'ai grandi au Bénin, donc je ne fais pas partie de ces Africains qui ont grandi en France et qui ne connaissent pas l'Afrique. Mon enfance, elle est vraiment là-bas. J'ai eu mon bac donc, en 99. Ensuite, j'ai fait des études un peu chaotiques qui m'ont quand même mené à un doctorat donc, en 2010 en histoire et civilisation de l'Afrique que j'avais consacré donc, à la figure d'un historien, Walter Rodney. Et c'est donc dans le cadre de ces recherches doctorales que j'ai vraiment commencé à travailler de manière assez concrète sur le panafricanisme. Donc ça fait, on va dire, 13-14 ans que je travaille sur les problématiques panafricaines, qu'elles soient politiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient économiques et sociales. Et c'est en travaillant dessus que j'ai rencontré en fait beaucoup d'acteurs et d'actrices de cette histoire-là. Et que du coup, je suis moi-même devenu militant, engagé, donc secrétaire général aujourd'hui d'une organisation, la Ligue panafricaine Ouja, qui est une organisation politique basée dans un certain nombre de pays africains et dans la diaspora, notamment en France. Et que aussi, j'ai été amené donc, à produire un certain nombre de travaux sur le panafricanisme, qui est une histoire, un mouvement, une idéologie qui n'est pas enseignée dans le cursus classique, c'est-à-dire que ceux qui sont étudiants en sciences politiques, en relations internationales, ou même en histoire contemporaine, n'entendront globalement jamais parler du panafricanisme dans leur cursus, alors que c'est un mouvement, c'est une histoire qui est totalement en lien, en fait, avec l'histoire contemporaine et l'histoire des relations internationales. Donc c'est un élément, je pense, assez intéressant. On est sur un champ disciplinaire, qui est justement interdisciplinaire, dans lequel toutes les disciplines se retrouvent de facto, et aussi, je dirais, dans un champ qui est fondamentalement militant et politisé, et précisément les universités, notamment les universités françaises, ont été dans les années 40, 50, 60, des lieux de réflexion et de maturation du panafricanisme à travers les associations étudiantes, qu'elles soient inclusives ou pas. La plus célèbre a été la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la FIANF, qui en fait agrégeait différentes associations étudiantes qui étaient basées dans différents centres universitaires en France. Un autre élément aussi important, quand on regarde la sociologie du panafricanisme, sur lequel je reviendrai plus en détail, on se rend compte que ce sont souvent durant les années étudiantes que ce mouvement questionne en fait les identités et les personnes. Parce que c'est parce que les années étudiantes, notamment pour les personnes d'origine africaine, sont des années de déplacement, de migration, de circulation, de rencontres, d'ouverture et de questionnement. Ce sont également des années, on va dire, de camaraderie, qui amène à se fédérer sur des questions qui nous touchent tous de manière différente, mais en même temps de la même manière. Et par conséquent, je pense que c'est extrêmement important et intéressant de voir, dans mon cas personnel, que depuis que j'ai sorti donc, cet ouvrage, qui était d'abord sous une autre édition au départ, donc il y a à peu près 3 ans, j'ai eu énormément en fait, d'invitations d'associations étudiantes en France, en Belgique, en Suisse, sur le continent africain, parce que ce sujet en fait interpelle. Alors, voilà pour l'introduction. Alors, qu'est-ce que le panafricanisme? C'est une vaste question. Pour ceux qui ont lu mon ouvrage, je pourrais répondre tout simplement par la première phrase, le panafricanisme est une énigme historique, parce que c'est ça finalement, c'est une énigme.
C'est un mouvement qui a pris, je dirais, différentes formes au cours de l'histoire, dans lequel on met des choses, je dirais, différentes selon le point de vue et selon la perspective où on le prend. Quelqu'un qui regarde l'histoire du panafricanisme depuis le continent n'a pas le même regard que quelqu'un qui la regarde depuis la diaspora. Et cela dépend également de quelle diaspora, on regarde cette histoire-là. Donc je dirais qu'il y a une convergence des regards vers un même objet dans lequel en fait chacun met des affects, des passions et des représentations qui sont différentes. Néanmoins, le fait d'y mettre des affects, des passions et des représentations permet de comprendre que le panafricanisme, c'est le fruit des violences historiques qu'ont connues les peuples africains dans l'histoire. Donc il y a un événement fondateur qui est effectivement donc, la traite transatlantique, donc la déportation de millions d'Africains pendant plusieurs siècles vers les Amériques. Donc un élément fondamental, un élément de destruction, un viol, on peut appeler ça de cette manière-là, le fait que cette diaspora que l'on retrouve aujourd'hui dans les Amériques est finalement le résultat d'un viol historique. Et il y a aussi, je dirais, dans cette naissance du panafricanisme, puisque le panafricanisme est né dans la diaspora et non pas sur le continent africain, l'apparition, je dirais, d'appareils de production de résistance. Le panafricanisme est une idéologie qui a constamment produit des résistances, que ce soit des résistances militaires et politiques, comme dans le cas du soulèvement des Africains esclavagisés de Saint-Domingue, qui a donné naissance à Haïti, la première république noire, qui marque le début de l'histoire du panafricanisme en tant qu'outil des relations internationales, que cela soit des luttes juridiques, à travers par exemple le procès qui va être intenté par des esclaves contre leur maître, donc avec le fameux procès de l'esclave Somerset en 1772 contre son propriétaire et qui amène le juge Lord Mansfield à proclamer en Angleterre que lorsqu'un esclave met le pied sur le sol britannique, la loi de la colonie, donc la loi de la Virginie, esclavagiste, ne peut s'appliquer sur la métropole. Donc il y a un fondement fondamentalement juridique dans cette histoire-là. Et lorsque le droit ne permet pas d'obtenir ce que l'on veut, on passe à la force. Donc ce sont des éléments qui permettent déjà d'inscrire la genèse du panafricanisme dans une histoire des relations internationales, dans des rapports juridiques et dans des rapports de force. Je pense que cette notion, elle est fondamentale. Je le dis régulièrement, le panafricanisme n'est pas une histoire des relations interraciales, entre noir et blanc, entre noir et autre. C'est vraiment une histoire des relations internationales. Le deuxième élément, je pense, c'est que ces résistances-là s'inscrivent souvent dans des réactions. Là, aujourd'hui, on a un regain de panafricanisme parce qu'on a un regain de violence visible contre l'Afrique, avec l'esclavage en Libye, les questions du franc CFA, les interventions militaires. On a l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Mais en fait, ça fait deux siècles et demi, qu'on a déjà des réactions contre les violences qui sont faites sur le continent africain et que ces violences sont emmagasinées justement dans l'expérience historique du panafricanisme. Il y a trois éléments symboliques. Donc le premier, c'est évidemment le trauma qu'a été la déportation et la mise en esclavage de millions d'Africains. Le fait que les Africains, et plus précisément les Noirs, sont le seul groupe social, et je dis bien seul groupe social et non pas groupe ethnique, dont l'existence a été assimilée à un bien meuble et donc à de l'argent. Le fait d'être noir, le fait d'être nègre, fait que, historiquement parlant, dans un certain nombre de symboliques, on est des choses vendables. Donc ce trauma-là qui me semble important. Le deuxième élément qui est la pathologie. Le fait justement que l'on renvoie dans les imaginaires l'Afrique à quelque chose de maladif, à quelque chose de constamment arriéré, de sauvage, de constamment en retard. Donc le point qui a été combattu dès le départ, notamment à travers les écrits intellectuels, il s'agissait de démontrer que l'homme et la femme noire sont tout autant capables de produire des choses de l'esprit. Donc le panafricanisme est une histoire intellectuelle, ce sont des intellectuels qui ont relevé le défi de montrer qu'en tant que noir, on est capable de faire autant que les autres, donc on n'a pas de complexe d'infériorité. Donc pathologie et trauma. Et le troisième élément, c'est la compassion. Et cet élément de compassion, c'est probablement celui qui explique le mieux, je dirais, le regain de visibilité du panafricanisme à travers justement des buzz comme la problématique de l'esclavage en Libye ou d'autres buzz comme le fait de compter ses morts
dans le sens de les compter d'un point de vue numérique, mais en même temps de les compter dans le sens de leur donner de la valeur. Les morts ont de la valeur parce que nos vies comptent. Donc ça, ce sont des éléments, le trauma, la pathologie et la compassion, qui sont extrêmement, je pense, importants pour comprendre la symbolique des causes et des luttes panafricaines. Alors, d'un point de vue historique, donc, le mouvement part d'une révolte, d'une révolution, qui est donc la révolution haïtienne, donc 1804, la naissance de la première République noire. Très important parce que c'est la première fois dans l'histoire que les Africains dirigent de manière souveraine un État à l'extérieur des frontières de ce qu'on appelle Afrique. Donc il y a déjà une interrogation sur quelles sont les limites de ce qu'on appelle Afrique, hein, en sachant que le monde a été inventé et cartographié depuis un centre qui est l'Europe, et que théoriquement ce qu'on appelle Est, Ouest, Nord, Sud n'a aucun sens. Par exemple, le Moyen-Orient est une construction totalement farfelue. Où est le Moyen dans l'Orient? Où est le Nord dans le Sud? Voilà, tant est si bien qu'effectivement, quand on regarde un certain nombre de décrits géographiques, eh bien, il y avait une continuité de cette histoire de l'Afrique qui fait que, de manière maximale, une partie des mondes dits orientaux sont en réalité des mondes africains, notamment la partie de la péninsule arabique aujourd'hui. Donc ça aussi, ce sont des points, je pense, importants, les géographies du panafricanisme. Également les problématiques de couleur qui vont se poser très tôt, puisque avant que le terme pan-africain apparaisse donc à la fin du 19e siècle et soit officialisé en 1900 à la conférence de Londres, on parlait de pan-négrisme, c'est-à-dire qu'on valorisait en fait l'identité nègre, la question raciale, parce qu'on s'inscrivait dans une époque où les questions de race étaient vues sous des angles je dirais un peu darwiniste. Alors, il y avait le pan-germanisme, le pan-slavisme, et du coup on voyait la question noire comme un pan-négrisme, pensée depuis la diaspora. Donc cette référence à la couleur de la peau va s'estomper et donner place à une référence en fait à l'Afrique comme ensemble, comme terre d'origine des populations déportées. Donc tout cela se fait, je dirais, à la fin du 19e siècle, dans le dernier quart du 19e siècle, à travers un certain nombre d'éléments. L'un d'entre eux est la conférence de Berlin, qui en réalité donc la conférence sur le Congo, puisque l'enjeu de la conférence de Berlin était de se partager le Congo comme espace ouvert aux différents monopoles, et gardé par une puissance coloniale qui en réalité n'est pas une puissance mais un faire-valoir. Donc d'abord le roi des Belges et ensuite la Belgique. Et donc au lendemain de cette conférence, donc la ruée vers l'Afrique, la colonisation du continent africain, à l'exception de l'Éthiopie qui résiste et qui va même quelques années plus tard, donc en 1896, le 1er mars exactement, remporter une bataille retentissante, la bataille d'Adwa, qui va faire écho jusque dans les Amériques. Et c'est à partir de ce moment, de la bataille d'Adwa, que un courant qu'on appelait l'éthiopianisme va prendre de l'importance, un courant qui était d'abord religieux, qui se fondait en fait sur une relecture de la Bible protestante en Jamaïque et aux États-Unis, une réinterprétation de la notion de peuple élu qui permettait en fait aux esclaves afro-américains, afro-caribéens de se reconnaître dans ce discours biblique et de mener un certain nombre d'insurrections. Eh bien, ils vont matérialiser en fait ce discours biblique dans un champ politique qui est le champ de l'Éthiopie. Donc, je dirais peut-être quelques mots, par exemple, le 16 mars, nous aurons, enfin, je donnerai d'autres conférences plus longues sur l'Éthiopie, sur laquelle je pourrais revenir dans les questions-réponses. Donc l'Éthiopie, un point important dans cet élément-là, c'est que l'Éthiopie va amener des Africains des Amériques à changer d'identité. Souvent, quand on parle d'abandonner le nom d'esclave, on fait référence en général à Malcolm X, qui a pris le X pour signifier qu'il a perdu le nom de son ancêtre africain et qu'il rejette le nom Little, qui est le nom du propriétaire de ses ancêtres. Mais la bataille d'Adwa est très importante parce que c'est à cette époque-là que beaucoup de militants panafricains, qui vont se définir ensuite comme panafricains, vont notamment commencer à adopter des noms africains, notamment des noms éthiopiens. Et puis on va voir apparaître toute une littérature politique et engagée sur l'Éthiopie. Et c'est aussi un élément important parce que l'Éthiopie ayant toujours été indépendante, les étudiants éthiopiens qui fréquentaient déjà des universités, notamment en Angleterre et aux États-Unis, mais également en France, qui avait une francophilie assez intéressante en Éthiopie,
vont, je dirais, féconder des autres étudiants issus d'autres territoires et vont souvent être les mieux organisés dans la création des premières organisations et organismes de charité étudiants. Donc ça aussi, c'est un élément, je pense, qu'il faut savoir. Il y a vraiment une antériorité éthiopienne de pas mal d'associations qui se mettent en place, y compris dans des milieux, je dirais, socio-religieux. Donc l'Éthiopie va focaliser l'idée d'une Afrique millénaire, l'idée d'une Afrique résistante. Et donc Benito Silva, un militant journaliste haïtien, va faire un voyage en Éthiopie, un très très long voyage. Il va rencontrer Ménélique II et il va lui proposer de faire une union entre les trois territoires qui à l'époque étaient dirigés par des Noirs, donc Haïti, indépendant depuis 1804, le Libéria, qui est bon, un territoire un peu complexe, un peu compliqué, c'est une colonie plus ou moins américaine, afro-américaine, et l'Éthiopie. Donc c'est à partir de cette période, 1896-1900, qu'il y a un intense échange diplomatique, épistolaire entre plusieurs acteurs, qui aboutit en 1900 à la conférence panafricaine de Londres, où le terme panafricanisme apparaît dans l'histoire. Alors je ne vais pas faire toute l'histoire du panafricanisme, parce que de toute façon j'en parle dans mon livre, et en général, quand je fais des conférences, j'évite justement de dire ce qu'est dans mon livre, parce que ce n'est pas intéressant de raconter un livre oralement parlant. Donc, pour résumer, à partir de 1900, la géographie du panafricanisme va évoluer. Il y aura plusieurs pôles, un pôle nord-américain au niveau des États-Unis, qui va se concentrer notamment sur la lutte contre la ségrégation, officialisée en 1896. Un pôle caribéen autour de Haïti qui va lutter pour, je dirais, diffuser cet idéal un peu perdu déjà à cette époque-là de la Révolution, en sachant que Haïti a exporté la Révolution au niveau de la Grande Colombie, tant et si bien qu'on a des liens réels entre le panafricanisme et le bolivarisme. Et Chavez, par exemple, va reprendre un certain nombre d'éléments en référence à l'histoire d'Haïti. Donc on a une actualité, je dirais, diplomatique entre l'Afrique, la Caraïbe et l'Amérique du Sud, notamment les projets bolivariens, là-bas, qui est très intéressant et qui doit être aujourd'hui questionné. Et donc un certain nombre de pôles, le Brésil également était un pôle important, et est un pôle important, et un certain nombre de pôles sur le continent africain, donc l'Afrique du Sud, qui sera très tôt une terre de mission et une terre de confrontation raciale. L'Éthiopie, pour tout l'imaginaire et l'indépendance que représente l'Éthiopie de Ménélique II, de Zaouditou, puis surtout de Haïlé Sélassié. Le Libéria et la Sierra Leone, dans lesquels vont se développer une élite assez particulière, assez occidentalisée, mais en même temps qui cherche à se réenraciner dans des traditions africaines. Et puis d'autres espaces ici ou là qui vont aussi nourrir le débat. Néanmoins, dans la première moitié du XXe siècle, la majorité des grandes rencontres vont avoir lieu en Europe. Les congrès panafricains vont incarner un panafricanisme institutionnalisé, des congrès qui auront lieu donc, dans les capitales européennes. Donc, celui de 1919 est assez important, il se tient à Paris, au lendemain de la Première Guerre mondiale, où l'Allemagne a perdu ses colonies, où les militants panafricains veulent peser dans les négociations d'après-guerre et réclament notamment que les colonies perdues par l'Allemagne soient confiées de manière autonome et souveraine à des peuples africains. Donc les doléances des militants panafricains seront rejetées par les autorités américaines et françaises. Et ce congrès est très important parce que ça va être aussi un congrès de scission entre, je dirais, les entre guillemets francophones et les entre guillemets anglophones. Il y aura un tournant très important à ce moment-là, dont on a encore aujourd'hui les séquelles presque un siècle plus tard. C'est aussi un congrès qui est très intéressant parce qu'il est totalement passé sous silence dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. On parle généralement du traité de Versailles, on parle des différents traités, célèbres, etc., tout ça, mais on n'explique pas que dès cette époque-là, il y avait des propositions africaines pour redessiner justement la carte des relations internationales. Donc il y aura d'autres congrès en 21, en 23, en 27 qui aborderont différentes questions. Je ne vais pas revenir dans le détail sur ces congrès-là. Et le congrès qui aura, je dirais, un impact qui constituera un tournant dans l'histoire du panafricanisme sera celui de 1945 à Manchester.
En fait, entre 1935 et 1945, le mouvement va prendre une direction plus politique parce que va se greffer dessus des luttes anticolonialistes. Ils vont apparaître des figures, je dirais, beaucoup plus formées aux enjeux internationalistes, beaucoup plus rompues aux joutes et aux luttes idéologiques, et également beaucoup plus conscients de la nécessité pour les Africains de lier en fait les combats au niveau de la diaspora avec ceux du continent. Donc ce rapprochement va être incarné par un personnage qui s'appelle Kwame Nkrumah, qui va faire la synthèse entre les deux courants qui était dominant dans les années 1910-1920, qui était le courant, on va dire, de masse de Marcus Garvey et le courant plus élitiste de W.E.B. Du Bois. Donc on a, à travers l'histoire des figures du panafricanisme, des histoires de courants, des histoires de chapelles, des histoires de convergence et de divergence, qui connaissent à des moments précis des synthèses très intéressantes. Donc le congrès de 1945 à Manchester, il est très important parce que, comme celui de 1919, il intervient à un moment où il faut repenser, encore une fois, la question des relations internationales. 1919, c'était par rapport à la Société des Nations. Et donc, comment défendre les intérêts des peuples africains dans un monde où on considère que ce sont les États qui doivent primer. Et donc, comment défendre les intérêts de peuples qui n'ont pas d'État. Et dans cette réflexion, il y a bien évidemment des liens avec d'autres nationalismes très intéressants qui se développent à cette époque-là, notamment dans les milieux arabes. Et donc en 1945, c'est toujours cette question-là, comment défendre l'intérêt de populations dans le champ des relations internationales, où ce sont la souveraineté des États qui priment, et quand on n'est pas souverain, comment faire passer ces droits et comment faire évoluer le droit international. Donc ce congrès de 1945 à Manchester, pareil, vous n'en entendrez jamais parler dans les discussions d'après Seconde Guerre mondiale. On parlera de Yalta, on parlera de Téhéran, mais on parlera de la conférence de Brazzaville, du général de Gaulle, mais on n'expliquera jamais que, de leur côté, les Africains avaient des positions qu'ils voulaient faire valoir. Donc Manchester, ce sont principalement, entre guillemets, les anglophones. Il n'y avait aucun représentant des colonies françaises présents. Mais 1946, il y aura un autre rassemblement à Bamako, le rassemblement démocratique africain, dans lequel les dirigeants des partis politiques des colonies françaises vont décider de se fédérer dans une structure dite interterritoriale. Donc les partis politiques des différentes colonies, à l'exception de Senghor, qui était lié au Parti socialiste, vont se retrouver dans le rassemblement démocratique africain avec comme figure principale Félix Houphouët-Boigny. Et donc à partir de 45-46, on va voir les deux tendances, donc la tendance, on va dire, un peu francophone et la tendance anglophone, symbolisées par ces deux figures, Nkrumah et Houphouët-Boigny, évoluer vers les indépendances sur des positions radicalement opposées. Et derrière ces figures, ce sont deux territoires qui sont bien évidemment limitrophes, la Gold Coast de l'époque, donc le nom colonial de la côte de l'or, puisque c'est là où on trouvait de l'or, et l'Ivory Coast, donc la Côte d'Ivoire, où on trouvait d'autres produits précieux. Donc on voit, à travers l'évolution de ces deux territoires, je dirais, une mini-échelle des enjeux panafricanistes. D'un côté, une position qui sera assimilationniste, qui prendra le nom de France-Afrique en 1959, à travers Félix Houphouët-Boigny, donc un rejet de l'intégration africaine et une volonté de privilégier, je dirais, les alliances post-coloniales et néocoloniales. Et de l'autre côté, du côté de Kwame Nkrumah, qui mène le Ghana à l'indépendance en 1957, la volonté d'aller vers les États-Unis d'Afrique et donc de mettre en place le panafricanisme comme un véritable projet de société politique, comme un véritable projet politique. Alors je mets de côté la question de Houphouët-Boigny, etc., tout ça, pour insister vraiment sur le projet politique de Kwame Nkrumah. Lorsqu'il prend le Ghana, lorsqu'il mène le Ghana à l'indépendance en 1957, Nkrumah veut effectivement aller vers les États-Unis d'Afrique, parce qu'il a compris qu'aucun État africain seul ne peut s'en sortir face au monopole, face aux multinationales et face au système bancaire. Il avait déjà identifié tous les risques que courait un État indépendant africain vis-à-vis de sa souveraineté.
Donc il va mener une intense campagne diplomatique entre 57 et 60-63 pour tenter de faire en sorte que toutes les indépendances qui arrivent s'inscrivent dans un renoncement des États à ses droits à leur indépendance, à la souveraineté, et dans la fusion de ces souverainetés dans un ensemble supranational. Et cette fenêtre 57-63, elle est extrêmement importante parce que c'est exactement la fenêtre dans laquelle le projet de communauté économique européenne se construit. Et c'est également dans ce contexte-là que la France comprend que si elle doit, qu'elle doit choisir entre le projet de communauté africaine, donc proposé par De Gaulle aux anciennes colonies, et ce projet de communauté économique européenne. Et pour la France, il s'agissait de voir comment garder le beurre et l'argent du beurre d'une certaine manière. Donc il va y avoir un certain nombre de mécanismes dans lesquels je ne vais pas rentrer en détail, de différents accords, etc., qui vont être mis en place du côté des anciennes colonies françaises, et sur lesquels quelqu'un comme Kwame Nkrumah aura une position radicale en soulignant que dans le cadre des États-Unis d'Afrique, il faut que tous les États qui y entrent fassent une rupture radicale avec les liens liés à l'ancienne puissance coloniale. Et Nkrumah le dit et il va le matérialiser. Donc le Ghana devient indépendant en 57. Comme toutes les anciennes colonies britanniques, c'est le statut de Westminster qui dit que la reine est chef d'État. Aujourd'hui, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le chef d'État, c'est la reine de souverain d'Angleterre. Et donc, pour rompre avec cela, en 60, le Ghana va devenir une république. Et donc, le chef d'État du Ghana, c'est le chef d'État du Ghana. Et du coup, toutes les anciennes colonies britanniques qui prendront leur indépendance en Afrique vont suivre le même modèle et vont devenir des républiques. Donc on a la particularité d'avoir du côté donc, de ces États, anciennes colonies britanniques, des États qui ont tous fait une rupture, je dirais, juridique et constitutionnelle avec le système colonial. Du côté des anciennes colonies françaises, tous les États qui vont accéder à l'indépendance vont prendre en fait un modèle calqué sur la Constitution française, Constitution de 58, un modèle républicaniste, alors qu'il aurait été plus pertinent pour ces territoires-là de prendre des modèles parlementaristes. Donc derrière ces questions, je dirais, de mise en place de systèmes fédéraux, de construction des États-Unis d'Afrique, ce sont des réflexions extrêmement larges sur les différents systèmes politiques qui cohabitent et coexistent en Afrique. Et donc, du coup, sur les problématiques d'intégration. Alors, par quoi doit passer l'intégration, comment elle doit se fonder, comment la construire, etc. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a, par exemple, des gens qui vont expliquer qu'on ne peut pas créer l'unité africaine tant qu'on n'a pas la même langue, la même religion, la même couleur de peau. Mais après, vous avez des contre-exemples. Vous prenez l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord est la région, la communauté économique régionale du continent africain la moins unie. L'union du Maghreb arabe n'a jamais marché. Pourtant, on a des populations qui ont la même religion, globalement, à 99%, qui ont globalement le même phénotype, même si l'Afrique du Nord est beaucoup plus noire qu'on le dit, qui ont globalement la même langue. Voilà, c'est l'arabe. Et en dépit de ces éléments-là, ils n'arrivent pas à s'unir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas du tout les mêmes systèmes politiques. Le Maroc a un système politique très particulier avec le roi du Maroc. L'Algérie, c'est parti-État, issu du FLN. La Tunisie, c'est le modèle bourguignon républicain laïque, plus ou moins. La Libye de Kadhafi, le modèle de la Jamahiriya. Et l'Égypte nassérienne, post-nassérienne. Sans compter les problématiques du Soudan, de la Mauritanie, etc. Donc on doit aussi, je dirais, analyser les contre-exemples qui existent sur le continent africain et réfléchir à ces problématiques d'intégration. Donc Nkrumah, lui, avait comme objectif de fonder ces États-Unis d'Afrique sur des questions bien précises de diplomatie, de défense et de monnaie. Donc tous les enjeux que l'on expose aujourd'hui, concernant par exemple la souveraineté monétaire, concernant la sécurité du continent africain, concernant les enjeux de développement, sont déjà exposés dans un certain nombre d'ouvrages qu'il a produits à cette époque-là. Un autre élément, je pense, qui me semble important dans ces années 60-70, et qui explique aujourd'hui les questionnements sur le panafricanisme, c'est les divergences entre un panafricanisme qui va s'institutionnaliser dans des structures type Union africaine, qui ne vont pas donner de place à la diaspora, et le fait que le mouvement va perdurer à l'extérieur du continent africain, à travers notamment, par exemple, les luttes afro-américaines ou d'autres types de luttes, notamment les Noirs de Grande-Bretagne, par exemple. Donc ce rapport continent-diaspora, je pense qu'aujourd'hui, il faut être en capacité de le repenser et de le reconstruire de manière assez pertinente.
Et pour le reconstruire de manière assez pertinente, il faut, je dirais, se replonger et sortir d'un certain nombre de stéréotypes. Des stéréotypes que je place dans le champ non pas de l'afro-pessimisme, mais de la colo-nostalgie, c'est-à-dire une nostalgie du colonialisme. L'idée que finalement c'était mieux du temps de la colonisation, l'idée que finalement c'était mieux avant, etc., c'est quelque chose qui a été construit du fait de l'emmagasinement de l'idée de défaite du panafricanisme. Et justement, cette notion de défaite du panafricanisme, je pense que c'est quelque chose qui est en train d'être retourné, ou que l'on tente aujourd'hui de retourner, pour montrer que précisément les principales victoires qui ont été acquises au cours du XXe siècle sont des victoires qui sont liées au panafricanisme. La chute du régime d'apartheid est une victoire, la libération des colonies portugaises est une victoire, les indépendances, même juridiques, même formelles, sont des victoires, mais ce sont des victoires qui sont inachevées, qui sont mutilées. Et je pense que dans cette réflexion sur les victoires inachevées et sur les victoires mutilées, c'est précisément, je dirais, dans ce cadre-là que nous devons repenser les imaginaires, mais non pas les ressasser, les adapter à un certain nombre de réalités. Et là, ce que je constate depuis, je dirais, 10-15 ans, c'est qu'il y a, sur le continent africain, et aussi dans la diaspora, un regard d'intérêt, et surtout un regard d'initiative. Donc aujourd'hui, des questions qui se posent, des défis qui se posent, c'est comment transformer ces initiatives, et comment surtout les interconnecter. Il y a un certain nombre d'initiatives qui répondent à des défis, ou qui s'engagent à répondre à des défis. Ces défis, quels sont-ils? Il y a bien évidemment le défi politique, donc comment construire de vraies sociétés politiques panafricaines. On a des exemples ici ou là. Par exemple, le Ghana est un exemple de société politique panafricaine. En dépit du fait que Nkrumah a été renversé par un régime conservateur réactionnaire, il a su laisser dans la société politique ghanéenne une imprégnation panafricaine, qui fait que dans les débats politiques au Ghana, il y a des consensus. Par exemple, il y a des consensus sur les questions de citoyenneté et de nationalité. Tant et si bien qu'il y a une ouverture sur ces problématiques-là. Et ces problématiques sont très importantes. Parce que quand vous regardez la manière dont une partie de la diaspora africaine cherche à retrouver son identité africaine, beaucoup passent par des tests ADN, aux États-Unis, au Brésil ou autre. Et souvent, ce qui les intéresse dans ces tests ADN, ce n'est pas tellement de savoir s'ils sont ghanéens, nigérians, sénégalais ou autres, c'est vraiment de savoir s'ils sont Ashanti, Akan, Yoruba, etc. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on a une diaspora, notamment afro-brésilienne et afro-américaine, et afro-caribéenne, qui s'identifie davantage en fait aux ensembles nationaux, et non pas aux États tels qu'ils existent, et tels qu'ils sont considérés comme étant non viables, qui se fait déjà dans ce rapport de la diaspora au territoire d'origine. Et le Ghana est vraiment un laboratoire de tout cela. La Tanzanie aussi est un État qui pour moi est panafricain, de par son histoire, que je ne vais pas résumer ici, de par une grande partie de sa politique. Donc ça, ce sont des points, je pense, sur lesquels on pourra revenir en détail. Les questions de désaliénation culturelle, donc après la question politique, il y a la question culturelle qui se pose, et cette question culturelle passe par une problématique linguistique. Il y a actuellement, par exemple, tout un débat autour de la francophonie. Du point de vue du panafricanisme, y compris au niveau des institutions, c'est réglé. Il faut une langue continentale. Cela ne veut pas dire que les autres langues vont disparaître, mais cela veut dire qu'il est nécessaire qu'il y ait une langue qui soit choisie et qui soit disponible dans toutes les écoles du continent africain. Et probablement, celle-ci est le souhait, qui est déjà déterminé. Ça ne veut pas dire que les autres langues vont disparaître, mais cela voudra dire qu'il y aura partout sur le continent africain la possibilité d'apprendre une langue qui sera une langue de connexion, qui fera que un Sénégalais et un Tanzanien ou un Sud-Africain ou un Algérien n'auront pas à savoir s'ils doivent parler anglais ou français, mais auront une langue commune dès le départ, ce qui permettra d'avoir, je dirais, des relations culturelles mais aussi économiques beaucoup plus importantes et beaucoup plus rapides. Donc cette question de la langue, c'est un vaste chantier, c'est un vaste débat. La question également de la démographie, puisque l'Afrique est en train de redevenir une puissance démographique, que cela pose un certain nombre de débats et d'enjeux.
Je pense que l'un des enjeux qui se pose, c'est aussi le fait de comprendre qu'à la fin de ce siècle, les Africains seront majoritaires du point de vue de l'humanité, et que par conséquent, pour devenir ce qu'est, pour définir ce qu'est un humain médian, un humain type, ben, l'humain type, ce sera un Africain, ce sera un noir. Et par conséquent, du coup, les questions de définition identitaire, les questions de conception de notre humanité sont de plus en plus importantes. Et cela nous amène aussi à réfléchir sur des concepts comme le concept d'Ubuntu, des concepts d'humanisme africain, qui sont de nature en fait à revaloriser nos identités, non pas de manière sur le mode des nationalismes, des chauvinismes, etc. Et également, je dirais, à les assouplir. Parce que malheureusement, les questions identitaires sont très problématiques à l'intérieur du continent et elles sont souvent traitées de manière contre-productive. Et enfin, le quatrième défi ou enjeu, c'est celui de la sécurité, c'est le fait qu'on est dans un monde de prédation et que la prédation s'exerce sur différents types de supports, elle s'exerce bien évidemment sur les ressources humaines et matérielles, mais elle s'exerce aussi, je dirais, sur les ressources spirituelles et intellectuelles. Et que dans ce système de prédation, il y a un certain nombre de préalables, je pense, à travailler et retravailler, et un certain nombre de paradigmes à recontextualiser. Des paradigmes dont deux figures très importantes que toute personne, pas qu'africaine, doit lire, ont travaillé et décortiqué et je dirais disséqué dans le sens de répondre aux affects et passions que j'évoquais au départ, c'est-à-dire la question du trauma, la question de la pathologie, la question de la compassion. Ces deux figures, ce sont bien évidemment Charanta Diop et Frantz Fanon. Charanta Diop parce qu'il a élaboré tout un système global autour justement de l'Afrique, il a pensé l'Afrique de manière systémique, en liant le passé de l'Afrique à une projection vers le futur, tant et si bien que dans les fondements d'un État fédéral d'Afrique noire, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, qui est publié en 1960, c'est un petit ouvrage que tout le monde doit lire parce que ceux qui exploitent les pays d'Afrique l'ont parfaitement lu, parce que dans ce petit livre, il y a exactement tout le modèle de développement du continent africain, à tel point qu'il y a un passage extrêmement important où il dit qu'il faut, examiner tout le potentiel industriel et minéral du continent africain. Et j'ai plus la citation exactement en tête, mais il y a virgule, en particulier au Mali, virgule. Donc, la question du Mali est fondamentale. Ce que fait la France au Mali, c'est extrêmement important à regarder. C'est essentiel. Et lui, en 1960, il savait qu'il fallait vraiment creuser la question du sous-sol Mali. En 1960. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Kouba devient indépendant au niveau du Ghana, il veut explorer ce qu'il y a dans le sous-sol ghanéen. Mais il constate qu'il n'y a que deux Africains dans le monde qui ont un PhD en géologie. Donc la question de la science, la question du savoir, la question de la formation intellectuelle, elle est fondamentale. Et la question de l'utilisation de ces ressources intellectuelles pour le développement des intérêts africains, elle est également fondamentale. Et Charanta Diop, je pense, c'est une des personnalités la plus importante pour comprendre justement l'urgence de ces enjeux-là. Et quant à Frantz Fanon, je dirais que l'intérêt de Frantz Fanon, c'est qu'à travers ces appels générationnels et intergénérationnels, que toutes les générations apportent leur contribution, et surtout à travers ces analyses de la crise du Congo, de la chute de Lumumba, du « pouvions faire autrement », il a été capable, je dirais, d'élaborer les marches d'espérance que peut donner le panafricanisme. Il a été capable aussi d'indiquer quels sont les écueils et les risques que court le panafricanisme lorsqu'il se transforme en un populisme. Et aujourd'hui, effectivement, nous constatons que le panafricanisme, bien des cas, c'est du populisme. Et ça aussi, ça doit nous interpeller sur la manière dont les idéologies sont vidées de leur substance. Ils sont récupérés un peu comme des outils marketing. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a, je dirais, le panafricanisme comme
projet, produit, marketing néolibéral à l'échelle continentale. Voilà, on va dire que Orange, Air France sont des compagnies panafricaines parce qu'elles vont partout en Afrique, etc., qu'elles rapprochent l'Afrique du reste du monde, alors que ce sont des compagnies fondamentalement impérialistes. Et dans le langage panafricaniste, impérialiste est une insulte, bien évidemment. D'un autre côté, on aura des chefs d'État qui brandiront le panafricanisme lorsqu'ils seront en difficulté, tant et si bien qu'on a un paradoxe actuel avec deux événements qui ont lieu ici à Paris et au Tchad. Je crois que demain ou après-demain, il y a une conférence qui dénonce le fait que la France soutient la dictature tchadienne. Et dans 10 jours, il paraît qu'il y a un grand sommet des leaders panafricains au Tchad, en Idriss Déby, qui héberge quand même la base militaire française la plus importante. Donc on peut se demander comment on peut lier le panafricanisme avec un néocolonialisme le plus féroce. Donc un certain nombre de contradictions. Et puis au milieu de ces deux extrêmes, il y a des groupes qui s'organisent, des groupes qui se structurent. Des groupes également, je pense qu'il faut franco-centriser. Parce que le problème, c'est que j'ai cité le Ghana, j'ai cité la Tanzanie, mais dans les autres espaces de réflexion intellectuelle, dans les autres espaces de construction mentale, dans les autres espaces imaginaires, l'Afrique est vue de manière différente. Je pense que nous devons vraiment regarder l'Afrique en la défranco-centrisant, sortir de cette idée qui nous est donnée ici en France que toute l'Afrique, c'est des anciennes colonies françaises assimilées à l'ensemble africain. Et ce discours, je constate de manière assez perplexe et assez inquiétante, qui est en train d'être repris par les visées. Les appels de phare qui sont faits vers le Nigeria, vers le Ghana, le fait qu'on commence à parler du Ghana dans l'actualité française, le fait que Georges Weah viennent à Paris, le fait qu'on se tourne vers ces territoires-là, je pense que ça annonce une reconfiguration de pas mal de choses sur lesquelles il va falloir réintégrer un panafricanisme de résistance, un panafricanisme de projection politique et aussi un panafricanisme beaucoup plus stratégique dans ce que l'on veut faire. Donc ce sont ces éléments qui expliquent pourquoi, dans mon parcours personnel, à un moment de mon parcours personnel, notamment quand j'étais enseignant au Canada il y a quelques années, j'ai évolué de ce statut de chercheur, enseignant-chercheur, vers un statut clairement affirmé de militant politique. Parce que j'ai considéré qu'à partir d'un moment, la connaissance que l'on produit, la connaissance que l'on diffuse, elle n'est absolument pas neutre. Et que cette non-neutralité exige de prendre des positions, exige de décortiquer un certain nombre d'enjeux, exige de les apporter aux personnes qui veulent les discuter, aux personnes qui veulent les reprendre, les pousser un peu plus loin, et aussi, je dirais, de donner des perspectives et des cartes à chacun, chacune, pour qu'ils sachent précisément, une fois qu'il a obtenu son diplôme, quels sont les choix qu'il doit faire. Et généralement, j'incite les uns et les autres à suivre les conseils d'Amilcar Cabral, qui est évoqué donc dans l'épilogue de mon ouvrage, c'est-à-dire à opérer ce suicide de classe et donc à comprendre que on est des, je ne vais pas dire des privilégiés, mais on doit être capable, dans certaines circonstances, d'opérer un certain nombre de sacrifices dès lors que ces sacrifices-là sont porteurs. Et je crois que cette notion de sacrifice, elle explique pourquoi des personnes sont devenues panafricaines et d'autres non. C'est cette notion de sacrifice qui explique pourquoi Lumumba est mort en nationaliste et panafricaniste et Mobutu l'a trahi. C'est cette notion qui explique pourquoi Compaoré n'a eu aucun problème à tuer Sankara. C'est la question de l'humain. Et cette question de l'humain, elle est fondamentale. Généralement, les gens disent de manière erronée que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais en fait, le nerf de la guerre, c'est l'humain. Parce que ce n'est pas l'argent qui fait que Mobutu a vendu le monde là. Ce n'est pas l'argent qui fait que Compaoré a tué son cœur. Ce sont des failles au niveau de l'être humain. Et donc, ces failles au niveau de l'être humain, il faut qu'on les travaille. Il faut que l'on sorte justement de cet imaginaire où le proche
est vendable et sacrifiable sur des intérêts qui n'ont aucun sens. Et donc, du coup, c'est l'un des enjeux, précisément, de la structuration des solidarités panafricanistes et de leur lien avec d'autres solidarités qui concernent, je dirais, d'autres peuples en mort. Donc, ce sont quelques éléments de réflexion que je voulais partager avec vous. Je parle de 3 quarts d'heure. Je pense que ça nous laisse un peu de temps pour échanger, en sachant que, bien évidemment, je n'ai pas fait toute l'histoire du panafricanisme, ce serait trop long ici. Mais on pourra revenir sur quelques détails par la suite. Merci.